Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc. Vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui dimanche, le 21 juillet 2013. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vraiment vous centrer, centrer toute votre énergie au niveau du chakra du cœur et mettez une intention en envoyant de l'énergie à partir de ce chakra-là vers l'univers, hein? Pour pouvoir recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Comme pour tous les matins, le tirage, c'est pour le bien du plus grand nombre de personnes qui vont se connecter à ce tirage-là. Donc, c'est à vous de voir plus spécifiquement ce qui vous appartient dans le tirage. C'est sûr que c'est général, là. Si vous voulez avoir un tirage, ben pas un tirage, mais une lecture d'âme spécialisée, personnalisée, excusez-moi. Donc, vous avez juste à me contacter. Vous allez avoir mes coordonnées à la fin du vidéo. Excusez-moi. Donc, à la fin du vidéo, il y a mes coordonnées, site web, numéro de téléphone, adresse courriel, etc. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Donc, ce que je perçois premièrement, c'est que vous allez vous faire des amis. Il va y avoir plus d'amis, plus d'amitié dans votre entourage où l'amitié que vous avez va comme s'améliorer avec les gens que vous avez déjà ou vous allez vous faire de nouveaux amis, mais dans le côté amitié, la prospérité commence à ce niveau-là. Vous allez remarquer souvent que ces personnes-là, c'est des personnes que vous regardez, mais que c'est comme si vous connaissiez ou. Leur énergie ne vous est pas comme infamilière, admettons. C'est quelque chose que ça va être plutôt au niveau de l'âme à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de voir, là, mais il y a des choses par rapport à des vies antérieures qui reviennent au niveau de l'amitié, là. Mais c'est bien. C'est vraiment au niveau prospère, là, la prospérité. Il y a, dans le moment présent, vous vivez des choses au niveau de karma. Des choses karmiques qui se répètent. C'est à vous de voir c'est quoi la morale derrière tout ça, l'histoire derrière tout ça, parce qu'il y a une histoire, il y a une morale qui se répète, il y a quelque chose qui se répète vraiment, que vous devez prendre conscience. Quand vous allez avoir pris conscience de ça, bien, vous allez pouvoir avancer plus facilement en prenant vos décisions, vos choix, puis tout ça, là. Mais il y a quelque chose vraiment à trancher, à prendre conscience, à voir plus clair, parce que il y a vraiment. Il y a un rééquilibre à faire, là. Il y a un tranchement à faire. Et puis ensuite, dans le futur, vous allez avancer vraiment en contrôlant plus chacune des parties de votre être, hein? Le masculin, le féminin, le côté plus lumière, le côté plus ombre. Vous allez être plus dans le moment présent également. Puis on me dit que, par exemple, de faire attention puisqu'il y a encore des choses à régler au niveau des émotions. On me demande de vous dire d'écouter plus la voix de votre cœur. Hein? Vous allez vous sentir plus libre, en liberté, grâce à cette. Être dans le moment présent puis écouter la voix du cœur, ça va vous amener une certaine liberté, une certaine légèreté dans votre vie que vous ne connaissiez pas auparavant. Il y a quelque chose à faire avec la santé, la guérison, le rayon vert de la guérison. Moi, je le vois bleu également. Quand ça vient directement de la source pour moi, la source vous envoie une lumière bleue de guérison. Donc, ça va vous amener plus de confiance également quand vous allez vous rallier à ces énergies-là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à demain.